À propos des nombres rationnels. Par le tutoriel précédent, nous savons que 1 quart se calcule par 1 divisé par 4. Effectuons cette division par écrit. On se pose la question, combien de fois le 4 va-t-il dans 1? Ben, aucune fois. Donc, on met 0 tout de suite avec la virgule et en même temps, on met un 0 à côté du 1. On se pose la même question. Combien de fois ce 4 va-t-il dans 10? Ça marche deux fois. Deux fois 4, ça fait 8. Et ce 8, nous le retirons du 10. Reste 2. Et comme on est derrière la virgule, on met tout de suite un 0 à côté de ce 2, comme ça on a 20. Et on se pose la question, combien de fois le 4 va-t-il dans 20? Mais 5 fois. Puisque 5 fois 4, ça fait 20. Ce 20, nous le retirons de ce 20-là, et comme reste de la division, il reste 0. Par conséquent, 1 quart, c'est la même chose que 0,25. Nous en déduisons que le nombre 0,25 peut être écrit sous forme d'une fraction de deux nombres entiers. Et tout nombre qui a cette propriété-là, c'est-à-dire tout nombre qu'on peut écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers, s'appelle nombre rationnel. Donc un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Et l'ensemble de tous les nombres rationnels se désigne par Q. Donc Q, c'est l'ensemble de tous les nombres rationnels. Sous forme imprimée, le Q s'écrit comme ceci. À la main, on l'écrit un tout petit peu autrement. Regardons maintenant quels nombres sont rationnels. Mais bien sûr, toutes les fractions de deux nombres entiers. Par définition, cette fraction est rationnelle. Regardons le nombre naturel 18. Ce nombre, 18, peut être écrit sous forme de fraction de deux nombres entiers. Pour ce faire, il suffit de diviser le 18 par 1. Et ça, on peut le faire pour tous les nombres naturels. Par conséquent, tous les nombres naturels sont automatiquement rationnels, dont on déduit que l'ensemble n est un sous-ensemble de l'ensemble Q. Regardons ce nombre entier moins 7. On peut appliquer le même procédé. On divise le moins 7 simplement par 1, comme ça sa valeur n'a pas changé. Et ainsi nous voyons que ce nombre entier est automatiquement rationnel. Et ça, on peut le faire avec tous les nombres entiers. Et par conséquent, l'ensemble Z est un sous-ensemble de l'ensemble Q. Y a-t-il d'autres nombres rationnels? Bien sûr, les nombres décimaux limités, c'est-à-dire les nombres décimaux qui s'arrêtent quelque part derrière la virgule. Ce nombre 0,75, c'est bien sûr égal à 75 centièmes, fraction qu'on peut encore simplifier. Bien sûr que 0,75 est un nombre rationnel, puisqu'il peut s'écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Idem pour ce nombre décimal limité-là, puisque 3,125, c'est la même chose que 3125 millième, fraction qu'on peut encore simplifier. Donc ça aussi, c'est un nombre rationnel. Les nombres décimaux illimités mais périodiques, comme par exemple celui-là, il est bien illimité et périodique, ben de tels nombres peuvent également s'écrire comme fraction de deux nombres entiers. Voici comment ça fonctionne. On place d'abord la virgule derrière la première période et on laisse tomber la partie décimale. Ainsi, on obtient le nombre 5321. Ensuite, on place la virgule avant la première période et on laisse tomber la partie décimale. Ainsi, on obtient le nombre 53. Et ce nombre 53
est à retirer du premier nombre trouvé, 5321. Et puis cette différence est à diviser par le nombre formé d'autant de neuf qu'il y a de chiffres dans la période. La période, c'est 21, 21, 21. Cette période contient les deux chiffres 2 et 1. Et puisqu'il y a deux chiffres dans la période, le dénominateur est formé par deux neufs. Et ce nombre formé par des neufs est suivi d'autant de zéros qu'il y a deux chiffres derrière la virgule qui n'appartiennent pas à la période. Ce 3 se trouve derrière la virgule, mais il n'appartient pas à la période 21. Donc il y a un tel chiffre, par conséquent, on met 1, 0 derrière le 99. Ensuite, on simplifie cette fraction et nous voyons que un tel nombre décimal illimité peut également s'écrire comme fraction de deux nombres entiers. C'est donc bien un nombre rationnel. Regardons encore ce nombre-là. C'est aussi un nombre décimal illimité périodique, donc on peut l'écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Appliquons le procédé précédent. D'abord, on met la virgule derrière la première période, et puis on laisse tomber la partie décimale. Ainsi, on obtient le nombre 26. Ensuite, on place la virgule devant la première période, mais elle y est déjà, et on laisse tomber la partie décimale. Reste 2. Du 26 justement trouvé, on retire ce 2 et on divise cette différence par le nombre qui est formé d'autant de neufs qu'il y a de chiffres dans la période. Il y a un seul chiffre, le 6, dans la période, donc on met un neuf, qui est suivi par autant de zéros qu'il y a de chiffres derrière la virgule qui n'appartiennent pas à la période. Or, il n'y en a pas, donc on ne met pas de zéro. Et 24 neuvième peut encore être simplifié, c'est 8 tiers. Donc ce nombre décimal illimité mais périodique est bien un nombre rationnel. Et quelles sont les propriétés de l'addition et de la multiplication dans Q? Ce sont exactement les mêmes propriétés que dans Z et dans N. L'addition dans Q est commutative et associative. La multiplication dans Q est aussi commutative et associative.